father went first, then my sweet mother. Then it was just me, my sister and my brother. Before too long. Saint-Louis, à 470 km au sud de Chicago. L'intersection des fleuves Mississippi et Missouri. Le terminus de la ligne de bateau venant de la Nouvelle-Orléans. Et Saint-Louis, également au carrefour de deux routes mythiques. La route du blues qui monte du sud via Memphis et rejoint Chicago. Et la route 66 qui traverse vers l'ouest pour rallier la Californie. Une ville marquée par le blues et les personnalités bluesmen nés dans cette ville ou qui y ont séjourné. Parmi elles, Chuck Berry, Ike et Tina Turner. Give me Memphis, Tennessee. Thank you. Help me find the party. Trying to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call. My uncle took the message and he wrote it on the wall. When you're close to me, if I tend to look dazed, I read it someplace. Memphis, première grande ville en remontant le Mississippi, un carrefour important, principal centre de commerce et d'amusement à quelques heures de navigation des grandes plantations du Sud. Au début du XXe siècle, le quartier noir de Memphis, situé en bordure de Bill Street, est une zone réservée au jeu, à l'alcool, à la prostitution, au combat de coq et à la musique, qui anime les lieux en permanence. Dans les années 20, la scène musicale est déjà très importante. Après la Deuxième Guerre mondiale, Memphis est devenu à la fois le berceau du blues et du rock and roll grâce à des labels comme Sun et Stax, mais aussi un haut lieu de la soul et du rhythm and blues. Elle est la ville du roi du rock and roll, Elvis Presley, et c'est aussi celle du roi du blues, B.B. King. Yes, I can ease out some low. I said a razor when. Yes, I can ease out some low. Cause there's a man down there, might be old boy, I just don't know. I said a razor when. Well, I ain't going out the front door. Yes, I'm a razor when, baby, I see. Thank you.
sorry someday. On every front door of every man down there might be a boy, I just don't know. Enough to be here, baby, in the first place. Well, I know some man gonna come in and gonna take my place. Well, ain't no way in this world, no, I said that I'm going out that door. I said, raise your wind. Yes, I can ease that southern low. I said, raise your window, baby, I can ease out of soft and low. Cause there's a man down there, might be your husband, baby, and I don't know, and I don't care. Sam Phillips ouvre le studio d'enregistrement Sun Records le 3 janvier 1950 au 706 Union Avenue à Memphis. De 1950 à 1954, il produit des disques de rhythm and blues et de blues avec des artistes variés, James Cotton, Rufus Thomas, Howlin' Wolf ou B.B. King à ses débuts. Ces disques remportent de grands succès sur le plan local. Depuis 1951, Phillips cherche, selon ses propres paroles, un blanc qui ait le son et la sensibilité noire. Il finit par découvrir Elvis Presley alors que celui-ci enregistre sa version d'un titre d'Arthur Big Boy Grown Up, That's Alright Mama. Le disque sort en 1954. C'est un énorme succès qui dépasse rapidement le cadre régional. Puis à partir de 1955 jusqu'en 1958, les succès s'enchaînent avec Presley, Carl Perkins et Jerry Lee Lewis.